ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Allons retrouver Vincent Vallière qui est avec nous, auteur, compositeur, interprète. Bonsoir Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Votre première réaction d'abord. Bien, écoutez, j'aimerais premièrement offrir mes sympathies à Marie-Annick, aux enfants, à Jean-François, à Jérôme, les membres des Cowboys, à toute l'équipe technique, à toute la grande famille aussi, tous les fans, puis à la grande famille des Cowboys partout au Québec et dans la francophonie, il faut bien le dire aussi, parce que les Cowboys étaient reconnus et applaudis partout dans la francophonie. C'est une lourde perte là, pour tout le Québec. Et vous parliez de l'Europe aussi, où ils étaient très, très populaires. Oui, moi, j'ai eu la chance de tourner avec eux en Europe. J'ai vu le phénomène, parce que c'est bien de ça dont il était question. Les Cowboys en ont fait peu, la promotion ici au Québec, mais ils remplissaient des salles, des stades de 10, 15 000 personnes. J'ai chanté avec eux à l'Olympia. J'ai vu le public... quasiment faire fendre le plancher de l'Olympia de Paris. C'est évidemment, c'est un groupe qui a créé de la magie partout où il est passé, qui était porté par ce leader-là fantastique, cet interprète en fait d'exception qui était Carl Tremblay. On sait que les Cowboys avaient dû annuler tous les concerts qui étaient prévus cet automne au Québec, en Europe aussi. Est-ce que vous aviez pu lui parler récemment, Vincent? Ah ben, on s'est parlé dans les derniers mois, puis... Moi, j'ai bien compris. Je pense qu'à un certain moment, c'était la garde rapprochée qui restait, c'est-à-dire les Cowboys et les gens très proches. Puis je pense que Carl avait besoin qu'on respecte ça. Ce qui est tout à fait correct. Nous, on a littéralement grandi ensemble dans la musique au début des années 2000. Moi, j'ai commencé dans la musique en plateau double avec les Cowboys, entre autres au Vieux Clocher de Sherbrooke. On jouait là, devant 20 personnes et les Cowboys viraient la place à l'envers devant 20 personnes. Ils revenaient 6 mois plus tard, puis il y en avait 200. Puis l'année d'après, ils jouaient plusieurs soirs à guichet fermé. Puis ils ont été portés par ce succès-là pendant des décennies, littéralement, à cause de la qualité des chansons de Jean-François Posé. Mais, puis à cause de l'énergie du groupe de Jérôme, de Marie-Annick, mais beaucoup aussi à cause de cette voix-là que Carl Tremblay avait, qui est un peu la voix. Moi, à l'université, quand mes amis m'ont fait découvrir les Cowboys à 18-19 ans, je sentais que c'était un peu comme la voix de mon grand frère, mais je ne le connaissais pas à ce moment-là. Puis je pense que c'est beaucoup ça, tu sais, c'est un deuil quasiment qui nous rapproche, c'est ce qui nous rapproche le plus. Je pense de la famille, les Cowboys fringants, c'est des souvenirs, c'est tellement intime leur musique, avec ce que nous sommes, tu sais, nous, dans nos familles, partout au Québec. Puis donc c'est vraiment dans notre ADN, puis la voix de Carl est inscrite au creux de notre cœur, tu sais, littéralement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Vincent, que Carl Tremblay était aussi extraordinaire sur scène? Bien, tu sais, Carl était extraordinaire sur scène, probablement un des... Puis je pense qu'il ne faut pas se gêner pour le dire, un des plus grands interprètes de la planète, parce que, tu sais, peu de gens peuvent se targuer de tenir littéralement au creux de leurs mains des foules de 100, 150, 200 000 personnes. Carl Tremblay savait faire ça, soulever une foule puis la faire réatterrir. Il faisait ça par instinct. Pour l'avoir vu avant, les Cowboys avant un show, c'est... Pour les avoir vus travailler ensemble, c'est très drôle parce que c'est comme une famille. Fait, ça s'obstine, ça se tiraille, puis finalement, Carl est là, vraiment relax, puis il fait son truc devant le public, vraiment de façon très instinctive, tenu par le cordon de son cœur. Puis il n'y avait que lui, en fait, pour faire ça. C'était vraiment un talent, c'est un talent naturel, tu sais, qui je pense qu'il... inégalé et inégalable à mon sens. Là, vraiment, il y a une grande part de mystère là-dedans. T'sais. Puis c'est ça. Puis dans l'intimité, le gars était tellement généreux, tellement à l'écoute. Ouais.
Il aura donc, pu voir cet été jusqu'à quel point les Québécois l'aimaient, l'appréciaient, lui et les Cowboys. On pense notamment au spectacle, évidemment, inoubliable sur les plaines en juillet dernier à Québec. Vincent Vallière, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'était des traces indélébiles, hein, ces moments-là à Québec. Fait que merci aux Cowboys fringants. Puis mes amitiés aux Cowboys et à tous les fans partout au Québec.